Chers amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que nous apportons notre message à travers cette chaîne de télévision et nous croyons qu'il y a plusieurs personnes dans votre famille, dans votre vie, dans votre lieu de travail qui sont touchées par les prédications que nous donnons. Et nous savons très bien que vous êtes largement bénis par la prédication que nous apportons dans votre maison. L'évangile que nous apportons, c'est l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile qui a le fondement biblique. Jésus-Christ a dit, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous croyons à cette bonne nouvelle. Nous croyons que la bonne nouvelle est un message qui correspond à la vie d'un individu. Nous croyons que le message que Jésus a apporté en son temps était un message qui correspondait au peuple d'Israël. Regardez très bien, lorsque Jésus-Christ arrive en Israël, il trouve que les Romains dominent sur Israël. Alors, quel est le message qu'il leur apporte? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous libérer. Donc, lorsqu'il parlait de la libération, certaines personnes en Israël pensaient que Jésus devait les libérer de la domination des Romains. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la plus grande servitude des enfants d'Israël n'était pas le fait que les Romains dominaient sur eux. La plus grande servitude des enfants d'Israël, c'était leur ignorance, c'était la restauration de leur âme. Ils devaient retrouver la libération dans leur esprit. Et c'est cela le message. Et ce qui fait aujourd'hui que lorsque nous sommes au Gabon, lorsque le bishop Edzan proclame la libération, la délivrance, il s'agit de la libération des forces du mal, des forces des ténèbres, des puissances du mal. Et je crois que l'heure a sonné pour vous, l'heure a sonné pour votre famille, l'heure a sonné pour votre maison, de retrouver cette délivrance. Aujourd'hui, j'ai un message que j'aimerais vous apporter, un conseil. Surtout, j'aimerais que vous soyez assis derrière votre petit écran et que vous m'accordiez un peu l'attention sur ce que je vais vous dire tout à l'heure. Parce que ce que je vais vous dire est très important pour votre vie, est très important pour vos fils, est très important pour toutes les personnes qui vivent sur le commun des mortels. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'impact d'une rencontre. Vous savez, il y a des rencontres dans la vie qui peuvent bouleverser la vie d'un être humain. Il y a dans la vie trois personnes, trois catégories de personnes que l'homme rencontre. Les rencontres peuvent se faire entre des amis, entre des personnes, entre des pays, entre des hommes politiques, entre des hommes sociaux, entre la société civile, entre les chrétiens. Chacun de nous rencontre un individu. Au moins chaque jour, vous pouvez rencontrer un membre de votre famille, vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous connaissez. Chaque homme qui vit sur la terre fait des rencontres. Mais ce que nous devons savoir, c'est que toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas les mêmes. Alors le thème dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'impact d'une rencontre. Il y a trois catégories de personnes que vous devrez rencontrer dans la vie. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces trois personnes ont trois caractères différents. Je cite, la première personne, c'est une personne que tu peux rencontrer et qui ne t'apporte rien dans la vie. Et il y a des gens ici, vous le rencontrez, mais ça ne change rien, que tu l'aies rencontré, que tu ne l'aies pas rencontré, ça n'a pas apporté quelque chose, ça n'a pas impacté ta vie, ça n'a pas apporté ni guérison, ni délivrance, ni restauration, ça n'a apporté ni bien, ni mal. C'est une catégorie de personnes qui existent ici, dans le monde, vous le rencontrez. Et il y a une autre personne, une autre catégorie de personnes que nous rencontrons, c'est ceux qui peuvent affecter notre vie de manière négative. À ça, il y a ce genre de personnes. Et parfois, elles sont très nombreuses, on ne se rend pas compte. Il y a des personnes que vous pouvez rencontrer, votre rencontre peut changer ton histoire, mais de manière négative. Vous allez trouver, je vous prends des exemples, vous allez trouver des rencontres, un monsieur qui rencontre une femme. Et mais c'est depuis qu'il a rencontré cette femme qu'il a commencé à avoir des problèmes dans son travail, qu'il a commencé à avoir des problèmes dans son entreprise, que sa vie a commencé à mal tourner. Pour quelle raison? Parce que chaque personne marche soit avec une malédiction, soit avec une bénédiction. Si vous rencontrez une personne
qui marche avec une malédiction dans sa vie, sa présence dans votre foyer, sa présence dans votre entreprise peut apporter des conséquences négatives. Il y a la même chose pour les femmes. Il y a une personne, elle est bénie, elle fait son commerce, elle est bien, mais depuis que cet homme est entré dans ta vie, tout est tombé. Et voyez-vous, et la vie est devenue de plus en plus dure, de plus en plus difficile. Et ce sont des personnes qui marchent avec des malédictions. Et on rencontre ces personnes aujourd'hui. Combien de personnes qui me regardent en ce moment à la télévision, avant que tu ne puisses faire telle ou telle rencontre, toute ta vie était, je peux dire, normale. Tu menais une certaine vie paisible, mais la rencontre avec cette personne a amené des problèmes, a amené des difficultés. Tu ne comprends pas pourquoi, depuis le jour de votre rencontre, les choses ont changé de cette manière. Ce genre de personnes qui marchent avec les malédictions, que vous introduisez dans votre vie, vous allez partager la même malédiction. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, celui qui s'attache avec une prostituée forme avec cette prostituée une seule chair. La prostituée n'est pas seulement celle-là qui se place sur la route, qui arrête les voitures. Dès l'instant que toi, tu pars avec une prostituée, toi aussi tu deviens prostituée. C'est un peu comme ça que les malédictions marchent dans certains endroits. Donc, vous rentrez en relation avec une personne qu'on a maudit, une personne qui marche avec une malédiction familiale. Cette personne devient votre partenaire. Vous n'allez non seulement partager votre joie, mais vous allez aussi partager sa malédiction. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, de cette émission. Pour tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, vous êtes très nombreux au Gabon et dans d'autres pays du monde. J'ai écrit une brochure pour chaque personne qui nous regarde. Et le titre de cette brochure, c'est « Maintenant que je suis délivré ». Si vous m'écrivez, je peux vous envoyer cette brochure gratuitement. Vous pouvez m'envoyer votre boîte postale en m'envoyant un SMS sur les portables qui s'affichent juste derrière votre petit écran. Vous pouvez aussi venir au sein du ministère de l'Esprit et de la Justice. Nous avons écrit cette brochure en anglais, en français. Vous pouvez la voir après que je sois délivré. Qu'est-ce que je dois faire? Et si vous m'appelez maintenant, vous serez le premier à la voir. Que Dieu vous bénisse et à la semaine. Viens Seigneur couler en nous, dans ce temps.